Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue pour le dernier test de la rétrospective James Bond, sauf si un autre James Bond sort entre temps, ce qui m'étonnerait. Ouais, quand même, peu de chance. Donc c'est 007 Legends, le 17ème test de cette rétrospective, donc sorti le 19 octobre 2012, plus ou moins en même temps que Skyfall, développé par Eurocom. C'est leur dernier jeu vidéo parce qu'ils ont refermé un mois plus tard quasiment. Dernier jeu vidéo de la saga. Hasard, je ne pense pas. Dernier jeu vidéo James Bond fait par Activision alors qu'il possédait encore la licence jusqu'en 2014. Donc je dis, oh bah les couilles, on s'en fout. Et il la possède plus. Non, il est passé plus, il avait jusqu'en 2014, il en plus. Et donc en fait, c'est pas exactement le dernier jeu de James Bond, parce qu'en octobre 2015 est sorti un jeu de stratégie sur mobile un peu à chier. Ah oui, World of Espionage. World of Espionage que j'ai pas eu le courage de faire, je vous avoue, et vous m'en voudrez pas, j'espère. Bah, apparaît-il qu'il est nul et que ça m'intéresse surtout pas en fait à jouer. Okay. Je sais pas trop ce qui t'arrive. Bah, je l'évite, attends, bah, hop. Tu l'évites, comme Joseph Gordon. Bon, laisse que. Allez, et donc ce jeu est réputé pour être le plus mauvais James Bond de toute la saga. Non, sérieux ? C'est réputé pour être une honte infâme. Hein, ça, le jeu conteste là ? Oui, oui. Mais non. C'est sa réputation. Bordel. Mais je pensais que ça allait être bien, moi, encore. Donc, quel est le principe de 007 Legends ? Eh ben, le principe, c'était de rendre hommage à James Bond. Alors, du coup, vu la réputation du jeu, c'est pas terrible. Je crois que t'es mouru. Je crois que je suis mort. Effectivement, vu que tu as été tué, je crois que t'es mouru. Pour les choses qui arrivent. Vas-y. Cette phrase n'avait pas beaucoup de sens. Donc le principe de 007 Legends, c'est de rendre hommage à la saga James Bond. Pourquoi ? Parce que c'était les 50 ans de James Bond. En tout cas, la saga filmique qui avait commencé, cinématographique, on va dire, pour un meilleur terme, qui a commencé en 1962. Déjà, Skyfall, c'était un grand hommage à 50 ans. 54 ans. Bah, à l'époque où on tourne cette vidéo, effectivement, ça a 54 ans. Putain. Et du coup, pour faire ça, ils ont décidé de faire 6 niveaux différents, six missions différentes, adaptées de 6 films différents, cultes entre guillemets. Pourquoi ? Parce que 6 acteurs différents. Donc un niveau par acteur, à chacun un film. Donc, non, t'as pas tous les acteurs, si ? Non, Daniel Craig les joue tous. Non, c'est vrai ? Oui, Daniel Craig, attends. Bon, en fait, en gros, dans la rétrospective, un moment, Gag, il a expliqué que quand t'as un James Bond officiel, t'as pas le droit de faire un jeu qui n'est pas à sa gueule. Bah, en fait, soit dans l'air avec Daniel Craig, t'es obligé de faire. Enfin, qui est toutes les têtes de Craig, quoi. Bah, avec Bon Baiser aussi. Ils ont... Mais justement, c'était plus la Brosnan, c'était pas encore la Craig, c'était entre les deux. Ouais, mais bon, c'était quand même Brosnan officiel, quoi. Bah, non, parce que ça l'était plus officiellement, il avait été déchu, tu vois. Ouais, bah, je suis pas d'ac. Non, mais. À moins que t'aies les accords particuliers des producteurs, et ils sont assez chiants à Ion avec leur petit talk de merde. Donc, je pense que si jamais ils ont un projet où ils feraient un truc genre, ouais, on fait notre propre James Bond, il va évoluer dans une trame scénaristique à part des films et tout. Je pense que ça pourrait se faire et qu'Ian ne serait pas trop d'accord, enfin, serait pas contre, je veux dire. Mais là, pour ça, ils se sont dit, bah non, Daniel Craig, c'est notre James Bond, vous allez faire tout ça avec Daniel Craig. En gros, parce que le but caché derrière ça, c'est de faire ancrer toute la saga James Bond un peu dans l'air d'Daniel Craig, ce qui est un peu bizarre parce que c'était un reboot. Bah, c'est clair, le mec, il s'impose partout, le mec. Le James Bond de Sean Connery, du coup, c'est Goldfinger qui est un épisode culte, donc c'est celui auquel on est actuellement, c'est la bataille de fin, Fort Knox. Spoil. Désolé, hein. Désolé. C'est le premier niveau du jeu après. Ouais. Ensuite, pour George Lazenby, c'est pas difficile, il en a fait qu'un, c'est Au service secret de Sa Majesté, qui est un épisode que j'aime beaucoup, qui, donc, qui est le troisième, c'est mon troisième préféré. Mais quand même, hein. Médaille de bronze. Il rend très bon. En fait, c'est Sean Connery qui a décidé de barrer pour celui-là, dommage. C'est quel des deux prix ? Casino Royale et Bombes et de Russie. Ok. Il n'y a plus, voilà. Enfin, Casino Royale. Excellent. Je testais pour savoir si c'est qu'il faut dedans ou pas. Non, il a quoi ce qu'il faut. C'est Jason préféré. Ah, pardon, ok, d'accord. C'est Jason, il est bien derrière quand même. Vraiment. Ok, du coup, ensuite, pour Roger Moore, c'est Moonraker. Alors, choix discutable parce qu'il est très connoté pour être un mauvais film, et bon, c'est vrai que c'est un peu une parodie de lui-même assez souvent. J'aurais largement préféré Au service secret de... Non, pas Service secret, L'espion qui m'aimait, j'aurais largement préféré celui-là, qui est aussi un potentiel d'adaptation filmique, notamment avec la Lotus qui va solo, etc. Et tout. Oui, il y avait déjà Requin, etc. Mais Moonraker, on le verra, j'en parlerai, c'est le meilleur niveau du jeu, et il y avait vraiment un potentiel d'adaptation, notamment avec l'espace, etc. Ah, on en reparlera juste après. Pour Timothy Dalton, ils ont choisi Permis de tuer, ce qui est un bon choix. De toute façon, les deux de Timothy Dalton sont très bien, je trouve.
Et Permis de tuer est vraiment cool aussi. Ouais, Permis de tuer est vraiment balèze, j'aime beaucoup le tuer n'est pas joué, il rend ultra fat aussi, même il a peut-être fait un moins bon jeu, surtout sachant que Uncharted 3 elle avait repris en fait la séquence de l'avion, elle a tiré de Uncharted 3 et reprise de tuer n'est pas joué. Ouais. Donc en fait vu que Uncharted 3 est sorti l'an d'avant, c'était pas bon plan de refaire la même séquence. Ah, surtout que ça aurait été légèrement moins bien. Légèrement moins bien je pense. Alors, effectivement. Je... Ensuite il y a et pour Pierce Brosnan, j'ai choisi Le Meurtre l'autre jour, ce qui aussi un choix discutable, mais en même temps pas un choix. Il y a quand même un potentiel d'adaptation filmique pour ce film, et bien surtout au-delà de ça, c'est ouais, parce qu'il se passe plein de trucs stylés pour un film, c'était un peu trop over the top, mais pour un jeu vidéo, ça peut bien passer. C'est ça, on peut se dire ça. Et surtout, ils avaient déjà fait GoldenEye, Demain dans Jamais, et Le Monde ne suit pas. Et pour Daniel Craig, évidemment, c'est Skyfall, parce que c'est en même temps que la sortie du film, donc c'est pour la promotion, et aussi parce que Casino Royale et Quantum of Solace ont déjà été adaptés. Ouais. Donc tout à fait logique de faire Skyfall, du coup. Du coup, l'histoire, comment ça se passe? En gros, l'histoire, c'est qu'en fait, pendant que James combat contre Patrice au début de Skyfall, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène avant le générique, en gros ils se battent sur un train je crois, et la coéquipière de James Bond lui tire sur James Bond malencontreusement, James Bond tombe dans la rivière et est passé pour mort. Et à ce moment là, dans le jeu et pas dans le film, dans le jeu, James Bond a un flashback de toute sa vie, genre il est entre la vie et la mort, et il se souvient de toute sa vie, ça commence par Goldfinger. Ah, donc ça du coup, c'est pour intégrer du coup Daniel Craig dans la saga, comme s'il avait vraiment vécu tout ça, son personnage, etc. Donc ça c'est vraiment le pitch que je trouve en soi, pas déconnant, c'est plutôt intéressant de voir les choses. Je trouve qu'au début, et pas trop mal, c'est relativement prometteur, dans le sens où en fait c'est... Dans les trois premiers niveaux, il y a vraiment une espèce de progression scénaristique qui fait sens. Les six. Ouais, ouais. Qui se suit dans les logiquement en fait. En gros, dans les trois premiers épisodes, tu vas suivre vraiment James Bond et Felix Leiter. Ouais. Felix Leiter qui est son pote de la CIA qu'on n'a jamais vu dans les jeux vidéo à part dans celui-ci. Je trouve ça très cool de le voir parce qu'il est dans beaucoup de James Bond, c'est vraiment un personnage très important. Dans les livres, etc. C'est vraiment un personnage emblématique. Du coup, il apparaît pour la première fois, son design est plutôt pas mal, j'aime bien. Et du coup... il apparaît pour la première fois, donc il t'aide, c'est celui qui délivre dans Goldfinger, et après, vous prenez le dessus, vous défendez Fort Knox, parce qu'il s'était pris d'assaut, etc. Et tout. Ouais. Ensuite, du coup, dans Au Service Secret de Sa Majesté, qui est le deuxième niveau, il va encore t'aider à délivrer ta belle, tu vois. Et genre, vraiment, il y a une espèce de complicité qui se déploie un peu, enfin, c'est léger, tu vois, mais pour le coup, j'étais content de... Enfin, content. Donc l'histoire de Secret de Sa Majesté est plutôt pas mal, du coup j'étais intéressé pour la revoir, et puis vu que t'as encore fait Exciter, t'as une espèce de continuité. Ensuite t'as Permis de tuer, donc leur chronologie diffère un peu, parce que je m'attendais à ce qu'il soit Moonraker au niveau d'après, parce que pour l'instant c'était vraiment leur chronologie de sortie des films. Ouais. Mais du coup non, le troisième niveau c'est Permis de tuer, et parce qu'en fait... Il a demandé Permis de tuer une licence. Je crois qu'ils l'ont réussi, hein. Ils l'ont acheté plus cher et, c'est... Ouais. Et ils l'ont fait. Du coup, Permis de tuer, dans l'histoire du film, ce qui se passe, c'est Felix Leiter et sa femme, en fait, ils ont, bon, c'est des agents secrets, enfin, pour la CIA, et peu après le mariage de Felix Leiter, sa femme se fait buter. À Felix Leiter au début, Permis de tuer, et Felix Leiter est quasiment assassiné, il s'échappe de peu, il est à l'hôpital, etc. Et tout le but, enfin, toute la quête de Permis de tuer qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, c'est James Bond qui est en mission solo, quoi. Genre, c'est M qui lui a dit, on t'enlève ton permis, qu'il a viré, on t'enlève ton permis de tuer, on sait que sinon tu vas y aller, et il s'en bat les couilles, même s'il n'y a plus Permis de tuer, il va venger son pote. C'est un James Bond assez sombre et. Il va venger la femme de son pote et son pote, donc en fait, Felix Leiter là, et il se fait attaquer au début, enfin, c'est vraiment une progression, et en fait, après celui-là, bah, pour les trois derniers, c'est-à-dire Meurtre un autre jour, Moonraker et ensuite Skyfall, bah, t'as plus du tout de continuité entre les épisodes, t'as vraiment putain de faire une mission une après l'autre, et là où je trouvais ça sympa d'avoir une espèce d'évolution de la vie de James Bond au fur et à mesure, un truc pas psychologique, mais qui te fasse vraiment un petit résumé de sa vie avec des trucs personnels, notamment avec son pote, avec les événements au service secret de Sa Majesté que j'ai pas envie de spoiler, mais qui sont vraiment extrêmement cool, je vous invite à voir ce film qui est excellent. Et ben, t'as vraiment une espèce de truc où on explore avant James Bond et tout, et les trois derniers films, beaucoup moins, et beaucoup moins d'histoires, c'est vraiment pas intéressant. Mais du tout. Chaque aventure pour chaque film dure combien de temps environ? Ça dure environ 1h30, 2h pour chaque film. Okay. Ça dépend vraiment parce que certains sont plus longs, Moonraker est plus long, sauf que Secret de Sa Majesté est beaucoup plus court. Donc en fait. Ça fait genre 10 heures de jeu, toi, tout à l'heure. Ouais, sûrement moins en fait. Vous avez vraiment peut-être plus 1h30 que 2h. Il y a certains qui font 2h, sinon on va dire c'est 1h30.
Sinon, la fin de l'histoire est vraiment en chier, faut savoir qu'elle a déjà été disponible en DLC. C'est qu'en fait, le jeu est sorti, il manquait le dernier niveau, il manquait Skyfall. Soi-disant. Ça, c'est balèze. Non, soi-disant parce que c'est pour pas spoiler le film, alors que franchement, c'est le foutage de gueule total parce qu'on en reparle. Enfin, je vais le film. Je vais le dire tout de suite, non, toi ta gueule. Je vais le dire tout de suite. En gros, ce qui fait le cœur de l'histoire de Skyfall, c'est le méchant Silva, sa relation avec M, la fin à Skyfall, voilà, qui donne le titre au film, et ce qu'ils adaptent, c'est juste le combat entre James Bond et Patrice. D'accord. Jusqu'à ce qu'il le but passe pas. Enfin, c'est 8 films, on s'en bat les couilles quoi. C'est genre l'intro du film en fait. Non, parce qu'après, tu vas jusqu'à ce que tu butes à Shanghai en fait. Enfin, jusqu'à ce que tu butes à Shanghai, c'est genre vraiment le début du film quoi. Et ça, du coup, en tant qu'adaptation, c'est du tout foutage de gueule en tant qu'adaptation Skyfall parce que en plus, on te dit que c'est quand t'as fait ça le DLC un mois plus tard pour pas te spoiler le film, on se fout de ta gueule complètement. Et au-delà de ça, je pense que c'est juste qu'ils ont commencé le développement au moment où le jeu est sorti. Je vois que ça comme explication, vous allez voir, parce que le DLC de Skyfall, c'est une. Enfin, la fin du jeu, du coup, c'était un scandale. Et même au niveau de l'histoire, la manière dont ça conclut l'histoire. C'est de la merde. C'est Et pour que Gag dise ça alors qu'il est fanboy de James Bond, c'est que ça doit vraiment vous donner une idée. Ça rend de la merde. Genre, en gros, le jeu se termine sur un petit dialogue trop deep entre M et James Bond. Et c'est franchement, c'est nul. Dans Skyfall. Je n'accepte. C'est la James Bond au final. je n'accepte pas ce dialogue pourri. Non, vraiment. Donc du coup, en tant qu'adaptation, c'est plutôt pas mal en soi, parce que, à part Skyfall, là, bien sûr, donc c'est parce que ça adapte les moments clés et uniquement les moments clés des films. Donc un peu comme si toutes les missions qu'on fait dans ce jeu sont les derniers niveaux d'un jeu complet avec un climax, en fait. Okay. Donc là, tu fais le dernier niveau d'un jeu Goldfinger, en fait. Tu joues pas le jeu de Goldfinger. Ah ouais, tu fais le dernier niveau. Alors, avant, t'avais premier niveau qui est ultra nul. Ouais. Là, c'est le deuxième niveau de Goldfinger, il y en a que deux, mais ils sont relativement longs, les niveaux, quand même. Il est vraiment celui-là, il est vraiment pas mal à Fornox. Bon, là, c'est la séquence dans le noir. Non, mais dans le noir, c'est pas forcément fou. Après, c'est cool à jouer, moi, je trouve. Comme dit à jouer, le feeling, il a vraiment été amélioré par rapport à GoldenEye. Ouais, largement beaucoup, beaucoup plus fun à jouer. Et, mais après, genre, c'est une petite séquence où en vrai, t'affrontes les gens dans le noir. Niveau intensité narrative, il se passe quand même un truc. Ça va pas durer 3 ans non plus comme ça. Hein. C'est peut-être juste super chiant à regarder, mais à jouer, à jouer, t'es dedans en fait. C'est horrible. Mais genre, l'acteur, il va te dire, hop, c'est super review aussi. On va les attaquer dans le noir, etc. Et hop, tu mets tes lunettes nocturnes et hop, tu les prends d'assaut comme ça. Et en plus, t'as plein d'enfornox. J'aimerais bien. Oui, si tu connais bien, je pense qu'en plus, si tu connais vraiment bien Goldfinger, c'est toujours le truc stylé d'être dans Fornox et tout. Quoi. Ça, c'est cool. Et par contre, du coup, le problème, c'est qu'il n'y a aucune construction narrative, évidemment, parce que quand tu passes, t'as 6 niveaux différents, à chaque fois que t'arrives à un niveau, t'as pas vraiment de lien entre les deux. Genre, typiquement, t'arrives au service secret de Sa Majesté, deuxième James Bond truc, le mec qui a parlé à sa meuf en mode trop deep, trop amoureux, et genre, tu veux dire, d'où elle sort, cette nana, quoi. Enfin, je veux dire, si tu connais pas, tu joues pas ce jeu si tu connais pas les films James Bond. Parce que tu vas rien comprendre, vraiment, rien comprendre. Et surtout au Secret de Majesté, il y a même des trucs au niveau narration, c'est hyper mal branlé. Ah, ça c'est un. Alors, ça c'est de cool à voir parce que c'est les boss en fait. Waouh! Ah bah c'est pas mal. Alors là, en plus, il y a vachement de. Vous avez vu le. Tous les boss de ce jeu, c'est ça. Et tu en as au moins 2 voire 3 par niveau, tous les boss, c'est ça. Mais j'ai déjà rien fait là, enfin le mec il t'as fait une QTE et le mec est comme ça. Le mec ne m'attaquait pas. Ouais, mais en fait c'est que si tu te rates qui t'attaque. Et après t'as des petites subtilités, genre il faut voir que t'évites au bon moment, quand les mecs ils ont des barres de fer dans la main pour te casser la gueule. Si on arrive jusqu'à Outjob, on pourra le montrer. Donc là je voulais au moins montrer ça parce que les boss c'est catastrophe. Ouais, je c'est un boss. Et tous les boss c'est comme ça, et sur la fiche je vous le lis, j'ai marqué mais putain, mais mort de rire, et Daesh revendique parce que c'est vraiment honteux, c'est terroriste comme ah, j'avoue, c'est chaud. Quel rapport avec Daesh? Parce que c'est un terrorisme. C'est un terrorisme anti-jazzon. Ah ouais. Mais qui va se tirer les noms, merde. Overdash. Donc bref, du coup, aucune construction narrative au-delà de ça, donc tu comprends. T'as pas de lien entre tout ça, et surtout t'as vraiment un gros problème de répétitivité en schéma narratif, où t'as vraiment l'impression de toujours vivre le petit climax de fin, et pas vivre un niveau qui a été construit, etc. J'ai une question, tu t'attendais vraiment à un truc narratif, parce que genre dans cette légende où tu te dis que tu vas vivre... Non mais bien sûr que non. Tu t'attends à vivre cette aventure de James Bond, et puis voilà quoi. Non mais oui, moi aussi, mais je veux dire, les aventures sont mal résumées, parce que t'arrives à la fin de l'aventure. Oui, ok, quoi. Ça c'est un problème, mais du coup, le fait qu'il n'y ait pas de narration et tout... Non mais surtout que ce soit la même construction tout le temps, quoi. Genre t'es vraiment...
la même construction tout le temps, et du coup, c'est pénible. Tu as vraiment l'impression de jouer à des boules. Là, je trouve que plutôt sympa. Là, tu vas arriver, c'est quand tu vas poursuivre le job, tu arrives en plein, il y a les lingots d'or niveau décor, c'est plutôt stylé. Tu vas te dépêcher parce que les portes se referment, et du coup, c'est plutôt intense comme séquence. C'est pas beau, encore une fois, mais il y a une petite, une patte artistique où en fait toutes les couleurs sont renforcées en fait. Genre l'or est vachement renforcé, tu la vois vachement bien. Et du coup, t'as un petit truc qui se dégage artistique. Je dis pas que c'est beau artistiquement, mais disons que du coup, il y a un petit côté cartoon qui se dégage et qui est relativement sympathique, tu vois. Non, mais dans le contexte, hein, comme tu disais, c'était après Uncharted 3, hein, ça fait un peu mal au cul. Voilà. Mais non, mais. T'as perdu. Dommage. Non, bon, tu peux montrer une séquence, parce que je voulais vraiment qu'on arrive un peu là, parce que c'est plutôt sympa. Bon, non, c'est pas grave, tout le monde, sinon ça va être chiant. Du coup, les fans ont souvent accusé le fait d'adapter, que l'adaptation de ces films était un viol fréquent des séquences qui ont fait le cultissime du truc. Ils doivent être habitués pourtant. Franchement, en termes d'adaptation, ça allait quand même. Mais là, en gros, ils voulaient pas jouer à leurs jeux mythiques qui étaient pas des jeux d'action, pas des films d'action à fond, qui devaient être des Call of Duty-like avec des full action. Alors, regarde, au sérieux, Secret of Majesty, tu vous allez voir, ça va être un putain de rail shooting de ouf. Ouais, mais en soi, vous allez voir, moi je trouve ça. La séquence de Secret of Majesty, celle-là, c'est une des meilleures. Encore une fois, en se mettant en truc, tu vas attaquer la base du méchant, tu es vraiment à fond, du coup, c'est une prise d'assaut de base. Et souvent, en fait, ça, au début du jeu, c'est sympa, mais après, à la fin du jeu, tu fais que de faire des assauts de base, quoi. Genre, c'est casse-couille, quoi. Et donc, en fait, moi, je trouve qu'en termes d'adaptation, Secret of Majesty, il est pas ouf, parce que, à part en termes de décor, tu les reconnais, les décors, ça, c'est stylé. Même les méchants, ils ont vraiment les costumes du film. Enfin, les méchants, ils ont les costumes du film. Et tu sais, quand tu connais bien les films, c'est vraiment sympa et tout. Et par contre, le Blofeld, ils ont adapté Blofeld de celui de, comment il s'appelle ce film, On ne vit que deux fois, alors que c'était pas le même acteur pour ce film-là, et je préfère largement Blofeld de ce film-là. Je préfère largement Blofeld qu'il y a dans Spectre. Vraiment, c'est pour moi le Blofeld, l'acteur, c'était celui qui l'a le mieux incarné. C'était Tommy Savelas, l'acteur est vraiment excellent, et du coup, bon, bref, dommage qu'ils aient adapté celui qui représente avec la cicatrice, etc., celui qui est culte. Ouais. Je comprends qu'il l'ait fait, mais moi, c'est pas mon préféré, je préfère l'acteur qui le jouait dans ce film-là. Et du coup, en fait, là, je dis que c'est un peu viol, parce que voilà, bon, ouais, en termes d'adaptation, et puis ce qui fait le cœur, en gros, ce qui fait le cœur de ce film, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout, voilà. Et puis, pour vrai, pour Permis de tuer, ce qui fait le cœur du film, c'est le côté vengeance, c'est le côté un peu brut, un peu violent, etc. Enfin, il est violent, ce film, Permis de tuer, il y a des trucs vraiment hard. Et donc, là, bah, pareil, l'adaptation, ça va être pas du tout ça, et ça va pas saisir ce qui fait le cœur du film, et plutôt saisir des séquences pour en tirer des niveaux qui sont, en soi, je trouve, pas trop mal. Parce que là, c'est une bonne séquence d'action. Gunfinger à Fornox, je trouve ça également plutôt cool. Et puis, Permis de tuer, malgré un grand viol de Benicio del Toro, qui est vraiment dégueulasse, lui, il était très très mal modélisé. On peut dire, les autres, ils sont plutôt bien modélisés, tous les autres. Les méchants sont bien retranscrits. Par contre, il faut savoir que les Death Bonger, généralement, ne sont pas les mêmes. Genre Jinx de Meurs un autre jour, elle est blanche. C'est pas du tout Alberi. Globalement, les Death Bonger, c'est pas les mêmes du tout. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et sinon, là, le Permis de tuer, il a une séquence d'infiltration qui est plutôt pas mal, que j'aime bien, parce qu'en fait, tu sors vraiment dans la peau d'un agent secret. Sauf que t'as M qui donne les directives, tu l'écoutes, alors que du coup, c'est pas du tout l'histoire de Permis de tuer, où t'es pas du tout pas avec M. Et du coup, là, t'es en contact, tu sors vraiment un agent secret, où elle va te dire, avant de faire exposer ça, attendez de trouver les preuves, etc. Du coup, t'es dans une mise en contexte scénaristique qui est, j'ai trouvé surprenant. Je m'attendais à trouver le pire navet James Bond ever, avec la réputation qu'il a, ce jeu. Ouais. Et j'ai trouvé finalement qu'il avait des idées intéressante dans le lot, et ça, je trouve vraiment intéressant de noter, surtout que moi, de ce que je joue, c'est pas désagréable du tout. Ouais, c'est ça, c'est que le gameplay il est cool, hein. Il est mieux que GoldenEye, GoldenEye, le remake, bien sûr, beaucoup plus fun. Et le niveau de Moonraker, c'est vraiment le mieux adapté. Franchement, je trouve qu'il est vraiment top. Lui, du début à la fin, il rend bien ce niveau. Genre, tu commences dans l'infiltration, c'est pas mal. Après, tu vas découvrir l'histoire du plan du méchant, et puis ils vont plus loin que le film. Enfin, je trouve que ça a vraiment été bien fait. Et
vraiment saisir de tout le délire dans l'espace. Après, tu y vas et t'as une séquence en Gravity Zero qui est longue et qui est vraiment super stylée. Et t'as vraiment plein de trucs bien dans Moonraker, à part les boss. Voilà, forcément, les boss, qui sont les boss de merde, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout le jeu. Mais sinon, le Moonraker, du début à la fin, j'ai trouvé le niveau vraiment top et avec une direction artistique qui était cool. J'étais là, j'étais putain, mais ce film, je l'aime pas, quoi. Le niveau, il est trop bien, quoi. Parce qu'en fait, du coup, ça fait un peu redit parce que Moonraker, c'était un peu Nightfire, tu vois déjà. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bon, c'est pas grave, ça fait redit, mais c'est. Mais bon, c'est. C'est pas pris cool. Ouais, non, en plus, c'est eux qui l'ont fait, Nightfire, c'est le même développeur. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Du coup, t'as pas mal de DA sympa, enfin, direction artistique qui est pas mal dans Moonraker d'ailleurs. Et donc voilà, ouais, dans ce jeu, il y a des séquences pas trop mal, mais dans un jeu qui est globalement assez brouillon. Le gameplay reste Call of Duty, ouais. avec un bon Call of Duty avec une meilleure mise en scène, un meilleur feeling, etc. Meilleure mise en scène et meilleur feeling que GoldenEye, un peu. Ouais, que GoldenEye, voilà, que tu fais bien le préciser exactement, merci d'avoir été attentif. Ouais. Et j'apprécie qu'ils aient fait plein d'efforts pour ajouter plein de trucs d'agents secrets. Par contre, il y a pas mal de gadgets. Alors, on a sûrement vu dans le test. Sors ton téléphone, s'il te plaît. La capture de droite. Oui, ok. Appuie sur triangle. Enfin, juste qu'il le sorte sans l'utiliser, en fait. Non, en fait, tu peux pas voir. C'est que quand tu. Excuse-moi. C'est que quand tu utilises un gadget qui le tient comme ça. Et en fait, tu peux voir qu'il a. Alors, enlève-le, du coup. Pas besoin. En fait, quand il le sort et qu'il le tient comme ça, tu vois qu'il y a marqué Sonic Spire en gros. C'est un placement de produit assez monstrueux. Ça a toujours été James Bond Sony. Depuis la trilogie, en fait. Quadrilogie. Et du coup, les scènes de piratage sont pas mal avec des petits puzzles. Mort avec mon sommeil. Avec des petits passages de piratage et des petites énigmes qui sont. Pas fofolle, mais qui sont sympathiques. Fofolle. Bah, on a vu tout à l'heure. Vous l'avez pas vu tout à l'heure, hein. Peut-être que RL peut vous l'insérer un petit peu quand même, mais c'est. Oui, enfin, c'est le bateau du bateau, quoi. Ouais, bah, c'est pas le tableau principal. Mais bon, après, les trucs de hack, généralement, c'est rarement bien. Donc. Ouais, mais là, du coup, j'ai trouvé que c'est plus original qu'un truc de hack bidon. Il y a plusieurs sortes, en fait. Il y a plusieurs trucs différents. Et c'est pas trop intrusif, c'est pas trop souvent. Du coup, quand on a. Puis le truc de couleur, je le mets bien, j'aime bien le résoudre. Ouais. Je te trouvais assez rigolo à. Non, même pas, c'est le plus dur à résoudre de tous ceux qui sont proposés dans ce jeu-là. Il est plutôt rigolo à. Le premier qu'on a fait était facile, c'est pour le tuto. Après, à la fin, ils sont un peu plus compliqués. Bon, ça en reste très, très basique. Sauf qu'avant, dans GoldenEye Reloaded, t'avais sur le radar, sur la carte en bas à droite, t'avais le radar qui t'indiquait où étaient les ennemis. Il ne le fait plus dans ce jeu-là. En fait, t'as un gadget qui est la montre. Et sur la montre. J'ai vu ça tout à l'heure, il y a un parpoint rouge, un espèce de radar qui est moins pratique à utiliser. Tu sais pas exactement où il se trouve, mais qui met plus agent secret. Plus crédible. Franchement, parfois en infiltration, pour voir s'ils arrivaient vers moi ou pas, je m'en servais parce que ça, c'est pratique. Je ne suis pas tout le temps, mais tu utilises. T'as aussi, après, vers la fin du jeu, t'as un nouveau gadget qui arrive, c'est le stylo avec fléchette. En gros, tu balances des stylos comme ça, enfin des fléchettes avec ton stylo, qui ont plusieurs effets. Un qui est d'endormir les gens. Ouais. Deuxième, de faire un outil de distraction, c'est-à-dire que tu vas l'envoyer dans un bout de la pièce, ça va faire du bruit, les gens vont venir. Okay. Et un autre qui est d'électrocuter les ennemis ça, pour ça les assommer. Déjà dans un jeu d'impression. Il y avait des trucs similaires, mais là je trouve que c'était bien fait pour qu'on l'utilise vraiment dans le gameplay. Et je me suis trouvé vraiment l'utiliser. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de gadgets dans un jeu de James Bond, des vrais gadgets comme ça. Il n'y en avait pas eu depuis Nightfire, s'il te plaît. Ouais, je me demande parce que c'est Nightfire qui avait été adopté, enfin qui a adopté sur Game Boy. Tu n'avais pas dans Kitudo. Ouais, ça. Parce que dans celui que j'avais joué sur Game Boy, t'avais le stylo, genre, exactement qui fait. D'accord. Un petit peu de gadgets dans Kitudo, quoi. T'avais l'araignée, C'était pas des gadgets type. Fléchettes, etc. Et tout. Donc là, j'ai trouvé. En gros, tu vois, sous-là, je m'attendais pas à. Je pensais que c'était un jeu copier-coller, un espèce de DLC. Un grand DLC de GoldenEye Reloaded sorti un an après, tu vois. Je souhaitais vraiment que ce soit un jeu fait à Falage. Tu décris plein de trucs, mais de ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est quand même. Non, voilà, là tu fais une séquence de shoot, quoi. C'est. Bah, ouais, mais c'est que. Enfin, c'est que du shoot super basique. Ouais, mais c'est shoot super. Voilà, c'est pas un jeu intelligent. Je veux dire, mais il reste. Non, mais... c'est même sans aller jusqu'à un jeu intelligent, quoi. Là, je veux dire, si tu suis un couloir sans mise en scène, en tirant sur ce qui bouge. Ouais, il y a des mises en scène, quand même. Bah, ouais. ça va, quoi, mais c'est pas non plus. Ouf, mais genre en fait que t'as l'intensité du scénario quand tu connais un peu, tu sais pourquoi tu vas là-dessus, pour faire quoi et... Faut vraiment être à fond en tant que fan, je pense. C'est vraiment un jeu pour les fans en fait, et c'est dommage que ce soit limité à que ça. Un truc sur l'infiltration, parce que du coup j'en ai parlé un peu en bien, mais en fait il faut que je la clash tout de suite parce que tout ne va pas. Oula. Alors quand même, parce que... Ah,
Alors en gros, je trouve que le level design en soi il est pas mal pour l'infiltration. Genre c'est vachement mieux pensé que pour Golden Eye Reloaded, mais en fait ils ont foiré un truc qui flingue tout, c'est l'IA. En fait si tu veux, le truc de Golden Eye Reloaded qui faisait que les scènes d'infiltration étaient faciles et du coup faisables, c'était que les cadavres disparaissaient. Ouais. Et ils disparaissent plus les cadavres, on les voit à la preuve. Et ben en fait pour les scènes d'infiltration du coup les autres le voient. Les personnages qui patrouillent voient les cadavres. Normalement, ils ont vu un cadavre, c'est foutu quoi. Et déjà, il y a ça, et en plus, ils le voient de loin parfois, tu sais pas d'où ils le voient le cadavre, genre c'est incroyable, tu pètes des câbles. Et aussi, quand ils ont trouvé le cadavre, et ben peu importe où t'es sur la carte, ils s'avoutent, ils convergent tous vers toi. Ah, et ça, c'est insupportable. Et tous les renforts, tout le monde va vers toi, et ça, c'est hyper casse-couille parce qu'ils du coup sont trop omniscients. Et ça, c'est... Ah, mais c'est pas hyper casse-couille quoi, enfin, genre, c'est un truc de design qui devrait, plus exister en 2012 quoi. Enfin, en 2012. C'est hyper casse-couille. Non, mais ça, c'est vraiment de la grosse merde. Tu sais qu'on a fait, qu'on a remonté 30 ans d'histoire de jeux vidéo avec cette rétrospective, mais là, y'en a. C'est ça. Non, mais ça, c'est vraiment casse-couille. Ça, c'est vraiment le truc. Horrible. Par contre, après, quand tu arrives à comprendre comment fonctionne l'infiltration, c'est-à-dire à repérer un peu les trucs pour éviter que ce genre de conneries arrive, c'est-à-dire, généralement, tu mets un ennemi au sol, tu vas regarder s'il y a un mec qui patrouille, il va pas tomber dessus ou pas, et du coup, si tu vois qu'il arrive vers le cadavre, tu vas réussir à le shooter à temps. Ouais, mais ça devrait pas être une contrainte de game design, quoi. Enfin, c'est pas... Non, voilà, non, mais je suis d'accord. Mais j'ai réussi à m'amuser sur la scène d'infiltration en connaissant un peu comment déjouer les failles, malgré tout, mais en fait, parce que sinon, si tu joues pas en mode infiltration jamais, tu vois, et ben en fait tu vas taper que des essais de shoot comme ça et ça va devenir hyper relou assez vite. Alors que moi, j'en ai déjà marre. Alors que moi j'ai pu. Parce que je joue pas aussi. Bah, c'est code. Bon, moi, ok. Mais à jouer c'est cool. Alors que du coup, en infiltration, bah, ça te fait un peu de variété dans le gameplay. Du coup, ça c'est cool. Mais après, faut savoir que c'est hyper mal foutu et que si vous avez pas la patience de vouloir y jouer comme ça, et je vous comprendrai totalement parce que c'est vraiment. Non, c'est vraiment. Il y a vraiment de gros problèmes. Et ben, faut dire. Faut quand même dire que si vous le faites bien, enfin si vous jouez comme ils ont voulu que vous jouiez, malgré les défauts, bah vous pouvez quand même passer du bon temps en infiltration, même si évidemment c'est pas du tout, c'est la mauvaise infiltration. Okay. Il y a aussi pas mal de gros bugs, genre notamment, enfin genre j'ai mis à un moment donné ils m'ont capté, ils m'ont tiré dessus à travers les murs, j'étais genre what, genre vraiment le mec était dans une espèce de forteresse, il me tirait dessus, je fais non mais mec je suis dehors moi, d'où vous me tirez dessus à travers votre mur, genre j'ai vraiment pété un câble. Et du coup je vous avoue que moi j'étais un peu déçu en jouant à un jeu parce que je m'attendais à un pire nanar vidéoludique ever quoi, vu la réputation qu'il avait. Et ouais, bon, alors t'arrêtes pas d'en parler en bien, il y a plein de défauts, mais il y avait aussi des qualités que je m'attendais pas à trouver. Oh, et là voici. Attends. Voici le nanar vidéoludique devant vous. Vraiment. Ah bon? Vraiment dans sa. Bon, franchement, oui. C'est nul? Ça, non, mais bon, regarde. Bah, admire, c'est admire. Pas, c'est pas ouf, mais. Admire ce. Je sais pas, il faut voir. Non, mais franchement, c'est de la merde. Non, vraiment. Ça pas. Mec, on est en 2000. Non, mais regarde. Déjà, le contrôle du véhicule. Décris-moi un peu les feelings que tu. Je tourne à droite, ça tourne à droite. je peux quand même me planter. Mais les mecs ne roulent pas à côté de toi? Ah non. Je... Non. Attends, non, me dis pas que t'as pas une voiture qui roule à côté de toi. Non, il te tire juste dans les deux roquettes. Mais non, ça c'est. Non. C'est pas un peu la pire séquence de. Ah, j'avoue. Ça, c'est la fin de permis de tuer, tu vois. Et quand je disais qu'il y avait du viol de film, la fin de permis de tuer, c'est quand même un sacré truc intense, tu vois. Ouais. Ouais. C'est que. Et là, okay. Là, tu poursuis le camion de. De Sanchez, là, je crois que c'est Sanchez. Ouais, c'est Sanchez. Et là, je poursuis rien, en fait. Et tu poursuis que dalle, tu te fais. C'est nul, c'est vide, c'est inintéressant, c'est... Mais c'est comme ça pour toutes les phases en voiture ? Parce qu'après, il y a des trucs plus stylés, quoi, je sais que pour me voir un autre jour... Et bah, on va la faire juste après, on va même montrer celle de Skyfall, parce que ce serait dommage de vous gâcher ça, je trouve que c'est tellement culte, on va... Je suis affligé par l'aspect technique. Déjà, l'aspect technique, une misère totale. Bon, après, dans le film, c'est pas non plus un délire total. Non, mais c'est 2012, quoi. Là, c'est il y a 3 ans. Ça, c'est la PS2, les séquences de Nightfire sont plus belles. C'est beau, mais oui. Non mais 2002 Nightfire. Franchement, c'est vrai, Nightfire était cool, ouais, la phase de voiture, j'avais tout. Trouvé ça vraiment stylé. C'est dégueulasse. C'est inintéressant, t'es en train d'esquiver. Là, tu joues en sport. Mais dans ce vrai qu'il se passe rien. Il se passe rien, tu esquives ton truc, et après tu vas voir ton petit QTE contre Sanchez. Ah bah attends, ah cool, donc tu vas bien mourir dans la... Bon, bref, je sais rien. Bon, d'assaut, tu... Oui, bon, elle va mourir en clavier. Ah, les méchants de James Bond meurent, ah là là, super. Alors ça, petite séquence où bah non, il avance tout seul en fait. Admire le viol de permis de tuer quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas. C'est un peu triste hein. Bah t'as le permis de tuer. Ouais, ça se voit. Permis de tuer la licence. Oui.
c'est l'essence. Là, pour vos amis, c'est quand sur véhicule, j'ai marqué lol, mais MDR aussi. Et après, j'ai tapé sur mon clavier un peu au pif. Et après, j'ai dit que je vous les montrerai parce que ça valait tous les mots du monde. Et je pense que. Hein. Et vous allez voir, mort à l'autre jour. Mm-hmm. Ça vaut des points aussi. Ah ouais. Bah vas-y, impatient maintenant. J'étais assez chaud pour me rendre toujours. Pour la séquence de voiture. Bah ouais, maintenant. Ouais, bah, non, je vais montrer le boss quand même. Ouais, mais en fait, lui il est pas mal. Il est plusieurs fois sur Herb. Il est pas mal niveau modélisation, quand même. Ceux qui ont été modélisés en fonction des acteurs d'origine sont plutôt pas mal. Franchement, tu les reconnais. Tu les reconnais vraiment, vraiment bien et ça, c'est cool. Goldfinger, tu reconnais bien. Oddjob, tu reconnais bien. Requin, tu reconnais vraiment bien. Et ça, un truc hyper cool, le méchant de Moonraker est revenu doubler sa voix, etc. Et tout. Alors, enfin, ça, c'est cool, quoi. Et ça, c'est. Donc là, bon, spoil. Désolé d'avoir dû spoiler parmi les tués. Enfin, c'est pas le combat final qui est hyper intéressant dans le film, si je l'avais pas vu, quoi. C'est un combat, quoi. Je veux dire, c'est Desmond, il combat les méchants. Bon, ouais. Donc là, petit combat de boss. Je rappelle, hein, j'avais. Donc, grosse mise en scène. Oh, regarde-moi ce. Regarde, c'est moche. Quoi. C'est horrible là. C'est une catastrophe. Voilà. Alors que là, t'appuies. Oh. T'appuies au bon moment. Alors là, tu appuies. Là, on fait un putain de let's play. Bon, c'est pas grave. Ouais. Waouh. C'est chaud là. Ah bon, on va passer à la suite. Voilà. Fais une petite coupure pour arriver à la séquence de combat de meurtre à autre jour. Enfin, la séquence de voiture. Tu peux quand même essayer de. Vas-y. Alors, commencez par dire que les temps de chargement sont hyper longs et casse-couilles. C'est une première chose à dire. Ensuite, qu'as-tu pensé de la fin de la séquence de permis que tu es ? Bah, c'est un viol. Oui. Enfin, non, mais disons que j'y ai cru. Et voilà, c'est ça. Et au moment où tu assènes le coup fatal au méchant. Qui a un coup fatal bien spécial pour ce méchant là en plus, et bah James Bond tourne la tête, donc tu vas pas le mettre mourir, et c'est marqué fin. Et là tu fais, attends quoi? C'est pareil pour Moonraker qui est pourtant le meilleur niveau à la fin, c'est coupure pour la milieu, et c'est vraiment genre... C'est ultra frustrant. Et donc du coup, à sa décharge pour meurtre un autre jour, le palais des glaces, dans le niveau infiltration, il est plutôt bien retranscrit, t'as des trucs sympas, il est plutôt sympa à parcourir, mais également j'ai trouvé un niveau inintéressant à faire, parce que c'est hyper court, t'as le palais des glaces, t'as ça, et t'as le passage dans l'avion qui se fait hyper rapidement. Mais qui sont des copier-coller des films et qui racontent du coup rien et qui sont pas hyper ouf. C'est ça, leur rien, c'est ça. Et là, en gros, tu dois esquiver les trucs laser qui tombent dessus. Est-ce que je peux rentrer dormir chez moi? Franchement, il est 5h40 du matin et là je vois ça et je me demande à quoi ressemble ma vie, quoi. Vraiment, là, je sais pas ce que je fais ici. Alors, je t'ai soutenu jusqu'au bout dans ta rétrospective de merde. Tu tiens des heures. Mais là, c'est trop, quoi. Tu tiens des heures dans cette racine. Non, mais je préférais, quoi. Appuie sur studio, je crois. Mais là, en fait, t'as activé les roues. Je sais pas, ouais, j'ai activé, je crois que j'ai appuyé dessus, en fait. Ouais, bon, je sais plus exactement. Je sais pas comment c'est ça. Non, si, c'est bon, en fait, c'est parce que c'est ça qui contre. D'accord, mais c'est ouf parce que je crois que. Ah, tu vois, petit combat. C'est qui la meuf qui avait quoi là? C'est Jinx, enfin c'est Alberic. Elle est blanche. Oui, c'est ce qu'il disait. Je t'ai dit, elle est blanche. J'ai pas caché, j'étais trop concentré sur Megan Fight. Ah, donc vraiment aucun respect, quoi. Bah, c'est juste qu'Alberic a pas voulu revenir, quoi. Les autres, ils ont pas de. Ça aurait quand même pu foutre une personne genre. C'est clair, c'est ça. Le respect est mort avec Eurocom. Ça a été le minimum. À partir du moment où il foutre un autre James Bond. Oui, voilà. Ça, c'est. Daniel Otis, si sur le jeu de héros. C'est pas Eurocom qui l'a décidé, mais par contre. Tu t'éclates, hein. Bah, pour l'instant, c'est vraiment ouf, hein. Need for Speed peut être rhabillé, hein. En fait, tu reconnais un peu la voiture, quand même. Et ça... Ouais, bah encore autre, putain. Est-ce qu'on peut abréger cette souffrance? Ils mettent une blanche, c'est une même voiture qu'il y a dans Nightfire, et je la trouve même utilisée, toi. Et c'est la même voiture qu'il y a garée en bas de l'appart, là. C'est quoi? J'arrive pas à voir, en même temps. C'est pas la bonne couche. Si, c'est ça. C'est la bonne couche, bah c'est celle du film. Ouais, c'est moi qui suis la bonne couche. Heureusement, quand même. Bah ouais. Vraiment que c'est du film. Du coup, voilà. Donc voilà, les niveaux de poursuite, ça ressemble à ça. C'est inintéressant, c'est chiant, okay, c'est moche, c'est pourri. Ah, je suis déçu, je suis comme putain, bien. Je suis vraiment. Maintenant, on va faire une nouvelle coupure, on va passer à Skyfall. Du coup, Skyfall, qui est un film que tout le monde attendait en 2012, tu voulais l'adaptation, pourquoi c'est pas, bien. Etc. Et tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça adapte pas du tout ce que tu veux voir de Skyfall quand tu connais le film. Ouais. Donc, du coup, le combat à Istanbul pré-générique et le combat à Shanghai juste après le générique, avant que l'histoire de Skyfall débute. Vraiment le début de l'intrigue, le début de l'enquête. Ouais. Mais il n'y a pas que ça qui va pas dans Skyfall. Je trouve que du début à la fin, ce DLC gratuit qui a été rajouté est une merde totale. Déjà, ça rame là, non ? Déjà, ça rame. Déjà, ça rame, genre vénère. Ça rame, genre vénère. Déjà, techniquement, c'est moins beau. Je trouve la direction artistique moins inspirée. Et aussi, le jeu est beaucoup plus dur
Bah, j'ai pris cher déjà. Cette séquence est beaucoup plus dure. Genre, il y a un gap de difficulté énorme entre le niveau d'avant et celui-ci. Tu sais, avec un peu de chance, tu t'arriveras pas au bout et tu te rends pas à quel point. Non, mais genre, en fait, c'est chaud quoi. Genre, il n'y a aucune logique pourquoi c'est plus difficile. Et du coup, je me suis retrouvé. Et là, comme je disais pour GoldenEye Reload, à la fin, j'avais activé le visée automatique, et ben là j'ai fait pareil pour ce niveau là parce que c'était juste trop chiant quoi. Genre à un moment donné, tu montes une échelle, t'as 3 mecs qui t'accueillent, t'as aucun endroit pour te. C'est quoi la visée automatique? C'est la visée automatiquement, t'es juste à tirer? Bah t'as, en fait, t'appuies sur R2, là, tu te shoot et puis il va viser directement l'ennemi. C'est un peu comme dans GTA par exemple, c'est une semi-automatique. Ça. Ok, d'accord. Et en fait, du coup, il y a une séquence genre où tu montes les échelles, on verra sûrement tout à l'heure. T'as 3 mecs qui t'accueillent, ils ont tous des armes surpuissantes, si t'as pas la visée automatique, c'est hyper dur de les tuer, ouais. Déjà c'est chiant, et après t'as un mec au lance-roquette, un mec au sniper, et puis c'est le bordel, c'est casse-couille. Et niveau level design, c'est une catastrophe. Niveau difficulté, c'est une catastrophe, c'est pourquoi c'est beaucoup plus dur, en plus c'est hyper chiant du coup à jouer. Et pourquoi ça a l'air passionnant. Le niveau est ultra moche, franchement c'est pas beau du tout, et ça rame. C'est quoi en plus tu passes, tu fais une petite sur Alien là. Non, faut d'abord que tu butes tous les ennemis en fait. D'accord, bouge-toi bien. C'est un putain de bon niveau. A savoir que ce niveau se conclut par un vrai boss. Ah. Il n'y a pas un petit boss combat comme ça. Ouais. Il y a un vrai boss. Et vous savez quoi? Eh ben, c'est de la merde. Parce qu'en fait, c'est que à chaque fois que Gag dit un truc négatif sur un jeu de James Bond, je l'amplifie au son fois 100, tu vois, au moins pour avoir un truc réaliste. Parce que. Ça va, vous voyez, en fait, dans le film, c'est un petit combat stylé avec des petits effets sympas. Parce que, genre, c'est dans un building désert où t'as plein de glace. James Bond et le méchant se combattent à main nue. Il y a des petits trucs d'ombre chinoise, etc. Je sais pas si vous vous souvenez de ce passage du film. Et puis t'as pas de. Pas mal de glace et tout, enfin de vitres, on va dire. Et genre. Et donc là, ça se passe là. Le mec va tirer sur sa cible, tu dois l'empêcher de tirer sur sa cible. Et du coup, tu vas se battre dans cet immeuble là où il y a toutes ces vitres partout. Donc là, le décor est un bon décor d'arène de boss. Okay. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf que le mec, il a un putain de fusil sniper, il te snipe assez rapidement. Donc déjà, le mec, il est vénère. Je te dis, c'est beaucoup plus dur dans Skyfall. Ouais. Donc c'est déjà vachement difficile. Ensuite, ce qui se passe, c'est que toi, la seule arme que tu as, c'est le petit pistolet de base. Okay. Pour cette séquence de boss, la seule arme que tu as, c'est le pistolet de base. Franchement, je cherchais partout. À un moment donné, t'as un coffre, j'avais un espoir, quoi. J'avais des munitions pour le pistolet, quoi. Et le boss est hyper long à battre. Sa vie diminue hyper doucement. C'est hyper chiant à faire. C'est une constante chez Activision, les boss de fin. Chez Rocom. Depuis la génération PS3, je sais pas. Non. En fait, c'est hyper long à faire descendre sa barre de vie. Et toi, t'es là avec ton petit pistolet. Tu t'es dit, putain, mais avec ce décor, avec plein de glace à détruire, j'aurais voulu au moins cette arme-là, qui est hyper balèze, hyper puissante. Elle a un feeling de ouf, cette arme. J'aurais voulu au moins ça, défoncer toutes les vitres, faire un truc qui explose et tout. Non, tu l'as pas. Elle explose. Oui, parce que tu casses les vitres, etc. Ouais. Et tout, c'est plutôt sympa. Genre, en gros, pour pouvoir tirer sur l'ennemi qui est vachement loin au bout de la salle, tu dois d'abord détruire les vitres sur ton chemin, mais avec ton petit pistolet, tu mets 15 ans, quoi. C'est chiant, quoi. Et du coup, le mec, du coup, tu es obligé de rester caché derrière tes pieds parce que lui, avec ton snipe, il te fait hyper mal. Du coup, tu restes caché derrière ton pied, tu fais tata, tata, tata. Et c'est chiant. Franchement, c'est ce boss. C'est la séquence de fin, quoi. Après, t'as le dialogue de merde entre M et James Bond, et j'étais là. Parce que Moonraker, avant qu'il y ait SDLC, il concluait ce jeu. Et Moonraker, comme je disais, c'était le meilleur niveau. C'était super cool d'avoir mis ça à la fin pour conclure. J'étais terminé sur une bonne impression, je m'étais dit. Il concluait autant que MGS5 après. Oui, quand même. C'était clair. Il concluait très très mal. Mais je disais qu'en tant que séquence de jeu, bah, c'était plutôt sympa. J'ai terminé sur une bonne impression avec un niveau qui était le mieux construit du jeu, tu vois. Ouais. C'est là où t'as les ennemis qui t'accueillent. Et du coup, mais là après, une fois que tu fais Skyfall, c'est fini. Quand tu veux, t'as envie de le détruire, le brûler. Skyfall, c'est juste fini sur une impression mais désastreuse. Et encore, vous avez pas vu la séquence de moto. Mais au-delà de non mais voilà. Ça c'est bien en fait. Non, ça c'est horrible. Ça c'est ce niveau est nul à chier. Ah, encore une fois, le gameplay reste sympa, le feeling est cool. Mais le level design est nul. T'as trop d'ennemis, tu prends trop cher. Pourquoi? Enfin, c'est pas drôle. Tu sens quoi? Tu as mis la difficulté parce que le niveau est ultra court. Si le niveau avait la même Skyfall en général, s'il avait la même durée de vie que le, enfin c'est la même difficulté pardon, tu mettrais 20 à 30 minutes pour t'améliorer. Tu mets un peu plus du coup, parce que c'est dur, tu recommences et ça te casse les couilles, mais tu mets plus de temps. Et du coup, je pense que Eurocom sont Activision probablement. Sans satisfait. Tu peux pas, prends cher. T'as un ennemi là-haut, c'est ça aussi.
Et du coup, ce que je disais, c'est que c'était pour ça que je pense que ce développement de ce niveau a commencé au moment où le jeu est sorti, c'est-à-dire en octobre. Il est sorti un mois plus tard, à mon avis, ils ont mis un seul mois de développement dessus, pas plus, franchement. Ouais, enfin, ça dépend la taille de l'équipe. Oui, bah après, ils ont les assets, etc. Fais gaffe, t'as les ennemis. Oui, si c'est des assets réutilisés et que ça peut se faire effectivement. Ah oui, j'ai pas du tout parlé de ça. T'as un petit truc de. En gros, t'as des petits objectifs à accomplir dans les niveaux qui te font, tu gagnes de l'argent James Bond en gros, et tu peux après améliorer tes voilà. Tu peux améliorer ensuite tes munitions en mode, enfin tes armes en mode un peu RPG entre guillemets. Ouais. C'est plutôt pas mal, mais moi j'en avais un peu rien à foutre parce que les armes sont déjà bonnes de base. Les lasers, c'est cool. Quoi. Ouais, t'as des trucs sympas, je l'ai fait. J'ai plutôt choisi d'améliorer la vie de James Bond et tout. Là, normalement, t'as tout à fond au niveau vie. Okay. Ça, j'ai trouvé ça. T'as tout à fond au niveau vie, t'es en mode facile et t'es incapable de faire un checkpoint. C'est le dernier niveau du jeu. On va dire ça. Et c'est la fin, c'est du jeu. Et du coup, voilà, ça c'est plutôt pas mal. T'as aussi une possibilité de jouer en mode classique James Bond avec la vie, tu sais, à l'ancienne, en mode ouais. GoldenEye. Sauf qu'en fait, là, au lieu de prendre tout l'écran en mode stylé, en fait, tu l'as au milieu de l'écran. Ouais. Et c'est pourri, genre, t'as vraiment un tout petit cercle. Tu vois, ces mecs-là, si t'as pas la visée automatique, ils sont hyper casse-couilles, ils te démontent. Ils te tu vois, t'es en facile, ils te démontent. Ouais. Moi, j'étais en normal. Hein. Mais la visée auto, du coup. Je c'est pas si casse. Bon, en tout cas, c'est pas très efficace. Mmh. Je peux essayer avec le fusil à pompe. Ouais, je fais ça. Je pense que c'est mieux que le petit Ken. Moi, j'avais une bonne arme pour m'attaquer là. Parce que c'était... Ouais, du coup, ensuite, la musique qui est développée, qui est composée par Kevin Kiner, qui a fait du bon taf. Parce qu'en fait, il a réutilisé beaucoup de musique culte de John Barry, essentiellement. Kiner, c'est pas celui du. Depuis le jeu précédent, ouais. Okay. C'est, et lui, a fait. En mélangeant les tracks originales, genre de Goldfinger, de Service Secret de Sa Majesté, enfin, tout un tas de tracks qui sont cultes, et ben, en les mélangeant, en les modernisant, en amplifiant, en les orchestrant différemment, et ben, en fait, ça devient hyper, hyper badass et ça fait des niveaux. Tu prends plaisir à les parcourir avec les. Bah, attends, c'est que le début de la séquence. Ouais. On arrivera peut-être et pas. Et du coup, ça prend tu prends plaisir à parcourir les niveaux avec la musique Goldfinger, avec la musique Secret de Sa Majesté. Il y a des trucs comme ça, c'est balèze, c'est plutôt pas mal fait. La musique, c'est un point fort du jeu. Franchement, elle est cool. Mais il n'y a pas assez de tracks non plus. Quoi. Ça reste petite production. Donc voilà, on a fait le tour de ce 007 Legends. Lui, c'est le boss en fait. Tu ne peux pas le tuer. Ah, d'accord. Excuse-moi de te le dire que maintenant. Merci. C'est lui en fait, c'est Patrice, si vous reconnaissez. Patrice Y. Donc là, je te conseille de sprinter en avant sans tuer trop de monde parce que sinon tu vas te faire massacrer par le D'accord, je te prends. Ouais, parce que j'ai pété un câble. Tu vas là. T'essaies de survivre. Tu le tues pas. Tu appuies là, après t'as un checkpoint. Ouf. Merci. Non. Et là tu meurs. Pétage de câble. Ouais. On va voir la moto, c'est ce que je voulais voir. Cool. Et du coup, pour la conclusion, en fait c'est un jeu qui est extrêmement bancal avec des trucs qui vont pas du tout. Mais vraiment des trucs qui ne vont vraiment pas du tout. Des séquences qui sont nulles. Et... Au-delà de ça, des ambitions sympathiques, des idées qui sont là pour monter le niveau en fait. Et je sens juste que les mecs ils ont pas eu le temps de développer un bon jeu et de faire un truc complet, ils ont juste fait parfois faire un truc hyper sommaire. Comme cette séquence en moto. C'est combien de temps et de développement c'est après Et vu qu'ils étaient sur Reloaded avant, ils ont mis un an je pense pour faire le jeu. Regardez-moi ça. Parce qu'il est sorti un an. Non, il est sorti deux ans après. Après Golden 8, mais un an après Reloaded. Ah. Regardez-moi ça. T'as vu les gens quand ils passaient, la foule. C'était beau. Moïse. C'est ce que j'allais dire, Moïse. Et du coup, je pense que c'est un jeu qui, éventuellement, en plus de temps de développement, ils auraient pu développer leurs idées parce qu'ils en avaient, ils sentaient qu'ils voulaient. Je sais pas, quand je fais un truc. Et du coup, ils sentaient qu'ils avaient des idées, qu'ils voulaient exploiter les licences James Bond, etc. Mais juste qu'il y a trop de trucs. D'obèse qui te gâche tout et cette séquence de fin, mais mon dieu quoi, cette séquence en moto, mais c'est une horreur! Mais c'est. Parce que c'est ce qui fait, c'est que la voiture se déplace latéralement en fait. La moto, ouais. Donc c'est. Bon, on s'en bat les couilles, c'est parce que c'est vrai, franchement. Donc c'est quand même pas le calvaire que j'attendais parce que cette séquence nulle à chier, t'en as pas tant que ça, et globalement, quand c'est pas très bien, c'est sommaire et pas très intéressant, mais t'as quand même pas les séquences sympas qui relativisent. Attention, ça c'est drôle ça aussi. J'avais oublié moi-même. C'est quoi ça? Du coup, en fait, c'est un jeu hyper mal branlé et hyper honteux parce qu'il est vendu comme un triple A de ouf à 70€, bordel de merde. Ce jeu sorti à 70€, c'est une honte, c'est un putain de scandale. En vrai, non, tu fais pas ça quoi. C'est... Je pensais en avoir vu des doubles avec ces traitements. Hein. Je pensais en avoir vu. Alors, celle-là. Non, mais c'est pas une logique. Tu vends 30, tu fais pas Mais malgré tout, au-delà de ça, à part. Regarde, parce que... regarde.
On se croirait dans... Merde, pour... Je sais pas, Carmageddon. Ouais, je sais pas. Tu sais, les trucs, les running ouais, sur mobile. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. On se croirait dans un bad trip sous alcool et drogue. Du coup, en fait, ce jeu, quand t'es fan, il prend plus que ça. Là, je te fais jouer aux trucs les pires du jeu, tu vois. Ouais, là, et parce qu'il y en a quand même pas mal, des trucs horribles comme ça. La séquence du début Goldfinger, qu'on a pas faite, je la trouve nulle. Il y a vraiment des... Le début Goldfinger, je trouve nul. Avant d'arriver à Fornos, Franchement, je sais pas si c'est. Enfin, avec tous les jeux Eurocom qu'on a vus. Tu as peut-être pas le point de vue. Non, mais je sais honnêtement. Tiens, après, réflexion. Je sais honnêtement pas si c'est. Bon, c'est probablement Activision à chaque fois qui a pas mis le budget. Mais là, pour moi, c'est aussi au-delà d'une question de budget, quoi. C'est une question de compétence. Il y a les deux, j'imagine. Non, mais je veux dire, le budget, genre, juste qu'on. Enfin, en fait, on fait. Max, il est mort. C'est juste qu'on fait toujours le raccourci de ouais, un jeu, il est pas beau, il est mal fini, il est mal branlé. C'est un problème là, de budget. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand si t'as des bons ingés et des bons artistes qui bossent sur un projet, bah même s'ils sont pas beaucoup et pas beaucoup payés, bah ça fait pas ça, quoi. Enfin, c'est vraiment ça le truc, quoi. Tu mets mais juste deux personnes, tu mets un putain de d'art directeur et un putain de programmeur sur, ça fait pas ça, ça fait mieux que ça, tu vois. Moi, j'ai juste l'impression que c'était aussi une équipe de bras cassés, Eurocom. Alors sans connaître l'équipe, c'est un peu dur de bah, je pense dur à que, dire, de mais toute façon, ils sont barrés de plus en plus à la fin aussi, mais, et plus avancé, et plus mais vraiment s'ils sont plus de deux, tu fais pas ça, quoi. S'ils sont plus de deux, si t'as un an de développement. Si t'as un an de développement à plus de deux. Non, mais ça, cette séquence-là, à mon avis, je me dis, elle a été faite en 3 semaines à moins. Enfin, c'est non, tout, non, mais même, tout, même, ce, même, faut, ce, que, même ce que j'ai vu avant, quoi. Enfin, vraiment, enfin, avec la base de Reloaded. Non, parce que comme je disais, en tant que level art, on l'a pas vu, mais Moonraker, il fait des trucs pas mal. La fin dans au service secret de Sa Majesté, avec la base de fin, là, au sommet de la montagne, je la trouve pas mal. Des intérieurs vraiment réussis. Là c'est le pire désastre technique et visuel. Mais même t'as des trucs. Moonraker, honnêtement, c'est beau. T'as vraiment une direction artistique. T'as des trucs sympas. Mais là c'est tragique. C'est juste que là il y a trois personnes en 3 semaines. Je sais pas. non. Mais même je parle même de tout le truc. Enfin, moi j'ai pas été spécialement emballé par lui. Après, parce que je pense que quand tu joues c'est plus sympa. Mais même ce que tu vois au début artistiquement, c'est tragique. C'est pas la moto qui reste sur place et le décor qui avance. Je crois que c'est ça. En fait, ce que je trouve aberrant, c'est quand tu vois la base qu'il y avait 2 ans avant. Ils ont, enfin, ok, Reloaded c'était 1 an avant, mais sinon, GoldenEye c'était 2 ans avant. En 2 ans, même s'ils ont bossé sur Reloaded, ils ont fait ça. Je suis pas sûr qu'il ait été fait en 2 ans parce que. Ils ont fait quoi maintenant? Ils ont bossé sur un autre projet, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, genre. Je pense Reloaded, et puis déjà, ça leur a pris du temps parce qu'ils ont dû faire. Ça se trouve, c'est une toute petite équipe, hein. Ça se trouve. Ils ont dû refaire tous les assets. S'ils sont 20 personnes, je comprends, quoi, mais s'ils sont plus de 30, 40, je comprends pas. Je pense qu'ils ont maintenu le multi aussi de. Du jeu, bref. Je pense que ce jeu-là, genre. Le manque de budget peut pas expliquer ça, quoi. Enfin, pas que. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais Craig se double pas dans ce jeu. Genre, personne se double. Genre. Si Miyari, ça se double, enfin. Il savait que ça allait être. Non, mais il a vu ça, il a fait non. Ouais, comme tout être recensé. Non mais. Ouais bah si, combat de boss. Franchement, comme tu dis, il est moins beau que Nightfire, quoi. 10 ans avant. Non mais là, sur Skyfall, quoi. Tu sais, sur la séquence de course, quoi. Bon bah voilà, je pense. Et voilà, la note, je sais pas. Enfin, honnêtement, comme dit, là, j'ai montré les pires. Tu peux la mettre à ta place. J'ai mis les pires séquences de fin pour conclure, parce que j'ai dit quand même pas de qualité. Mais comme dit, la première partie du test, moi je comprenais pas ce que tu me vendais, quoi. C'est-à-dire... Je comprenais pas ce que tu me demandais dans le sens où vu que t'as pas montré Moonraker que c'est dans le meilleur, l'endroit où il est le meilleur, parce qu'en fait Moonraker, en fait, il y a une très longue séquence d'introduction. Vu que le découpage, tu peux pas jouer les chapitres précis, ouais, en fait. Y a pas de problème, et ça a été long pour atteindre. Ce que je disais, c'est juste que j'avais pas l'impression que tu vendais ce que je voyais, tu vois, mais je te croyais, hein, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais du coup, ça rattrape la suite, c'est plus ce à quoi. C'est donc ce jeu, en fait, c'est pas vendu à 70€, c'est un scandale. Tu vois, tu mets. Et toi, tu l'as acheté combien? Moi je l'achète celui-là, je sais pas, 10, je sais plus. Même à 10€ quoi. Non mais oui, 10€, enfin j'ai fait pour la rétro, ça va. Tu sens pas trop violet. Non, parce que en tant que fan. En dessous de 10 000 vues, moi je pense que c'est. Non, parce qu'en tant que fan de James Bond, il y a pas mal de fans. Il y a pas mal de fans. Non, oui, je sais, mais ce qu'il y a des trucs, c'est des viols, mais il y a pas mal de trucs où ça, c'est quand même un plaisir de te balader dans les niveaux des films, genre Fornox, Palais de Glace, toute la base de. C'est Omar Corbeau, toi. On dirait un peu. On va le heurter. toute la base de Moonraker aussi, avec les fusées et tout, t'as un hangar à fusées gigantesque, enfin t'as des trucs qui sont sympas, qui en tant que fan de James Bond,
c'est tout mon plaisir. T'as le truc quand on fait du James Bond, tu te sens violé, ça c'est un tragique. Ça c'est un viol là, le combat. Ça c'est, voilà, ça, c'est ah, un viol ouais, total. Ouais. Donc ce jeu, je le mettrais quand même en dessous de la moyenne, je mettrais, même si en tant que fan, enfin, une autre fan de James Bond, je mettrais 9, peut-être 8 même. Parce que c'est pas un bon, c'est pas un bon jeu. Non, tu résumes, non, il y a plus de défauts que de qualité. Ah, incroyablement généreux quoi. Mais parce que t'as pas eu le jeu en main, le gameplay ouais, quand même. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça qui manque. À voir en fait, je pense que c'est juste horrible alors que à jouer, ça doit. T'as quand même le. Ça doit être sympa, hein, c'est essentiel. Ah, je m'amuse. Hein. Bah là, oui, là non, mais au début du jeu, tu t'es amusé quand même sincèrement. Bon, en fait, ouais, tu vois. Ouais. Même s'il y a plein de trucs qui vont pas, quand t'es fan des films, etc., tu prends plaisir à les revoir. C'est vraiment un jeu qui est uniquement fan. Et si éventuellement vous êtes vraiment un gros gros fan et que vous êtes intéressé pour revoir ces films adaptés, et ben si vous le trouvez vraiment pas cher, bah, on peut vous être recommandé en sachant qu'il y a des trucs tragiques comme ça. Mmh. Donc voilà, et voilà, et ça c'est comme dans le film ça. Et donc là, Jason va se souvenir, bah non du coup il se souvient pas, il va se réveiller, parce que bah, c'est, oui. la fin du jeu, c'est vrai qu'on spoil un peu de ouf. Bon, bah écoute, c'est le moment de donner une note alors. Bah on a déjà la fin du jeu, c'est le début de... Attends, faut juste remettre en contexte, pour ceux qui débarquent, c'est la fin du jeu, c'est le début de Skyfall quoi, donc tous ceux qui ont vu Skyfall et même... Oui, non, bien sûr, enfin voilà. Oui, ça veut rien dire quoi, c'est un jeu qui est chronologiquement dans aucun sens. Ouais, on spoil pas grand chose, le genre il se réveille comme ça. Genre on va pas se réveiller dans le film. Bon, ouais. Ouais, il y a le petit générique et tout, transition. Ouais. Exact, bon bah écoute, donc, merci, voilà, on est sur Facebook, Twitter, à demain. Ouais, parce que, en fait, là le gong va sonner 6h du matin. Si vous avez aimé cette rétrospective James Bond, n'oubliez pas la conclusion qui arrivera prochainement. Oui. Et surtout, n'hésitez pas du coup à rattraper les épisodes que vous n'avez pas vus, à partager cette rétrospective à... ceux que vous pensez qui pourraient l'aimer. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à liker toutes les autres, ouais. À vous abonner, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, et à sur notre application Android et notre application iOS, où vous pouvez nous retrouver, parce que vous pouvez trouver l'intégralité de notre contenu là-dessus. Cool. On vous laisse et on vous embrasse, parce qu'il est 6h du matin. Ouais. Okay. C'est une bonne raison de se laisser quand même. Et bonne nuit.